l'activité télécom a été amenée à s'accroître puisqu'on a augmenté les échanges entre ces différents pays. Et malgré toutes les économies qu'on a pu faire par ailleurs, le budget télécom est lui encore en augmentation de plus de 20% depuis 5 ans. D'autant plus qu'aujourd'hui, qui est capable de travailler sans un ordinateur portable, un téléphone mobile intelligent, voire un téléphone fixe, surtout dans notre activité d'ingénierie. L'optimisation des dépenses de télécommunications commence par la connaissance exhaustive et détaillée de l'actuel, infrastructure, consommation, dépenses. Le résultat de cet inventaire est matérialisé par un rapport de synthèse afin de s'accorder sur le référentiel de départ. Ensuite, débute la phase d'optimisation des coûts avec en premier les leviers achat, de négociation tarifaire et d'adaptation des services aux besoins. En second, viennent les leviers de rationalisation des dépenses supprimer l'inutile. Et enfin, le contrôle des factures et la récupération des avoirs. Pour chaque piste d'optimisation, une validation technique, financière et d'usage est faite afin de s'assurer de la pertinence du conseil et de l'exactitude de l'économie. La phase d'audit se conclut par la remise d'un rapport de préconisation présentant chaque action dûment justifiée. L'entreprise choisit alors les mesures à mettre en œuvre et le déploiement débute, pour ne se terminer qu'à constatation totale de mise en place des préconisations. L'ensemble du processus suit une méthodologie implacable et les auditeurs experts utilisent des logiciels spécialisés pour une action rapide, précise et efficace. La démarche garantit des économies maximales, réelles, concrétisées en un temps minimum, et ceci sans accaparer les intervenants en entreprise. Très clairement, cette prestation nous a donné une grande visibilité sur nos achats téléphonie, une meilleure compréhension de notre consommation et nous a permis de réaliser des économies majeures sans pénaliser nos utilisateurs. Depuis 2001, le cabinet conseil Neoditel assiste les grandes entreprises dans la connaissance et l'optimisation de leur budget de télécommunications. Nous sommes d'habitude missionnés par les directions achats ou informatiques de nos clients qui désirent que nous prenions en main les missions de A jusqu'à Z, c'est-à-dire depuis la collecte initiale des factures télécom jusqu'au contrôle final de déploiement des préconisations avec les opérateurs. Nous créons de vraies relations de confiance avec nos donneurs d'ordre qui du coup nous sont fidèles sur la durée et nous recommandent auprès de leurs pairs. Ils apprécient notre expertise technico-financière mais aussi la cordialité et la ténacité de nos auditeurs tout au long des projets. Depuis 8 ans, sur plus de 150 missions dans plus de 20 pays au monde, Neoditel assiste les grandes entreprises dans la connaissance et la réduction de leurs dépenses de télécommunications. C'est notre fierté et nous leur devons ce succès. Au-delà de la nécessaire confiance qui s'est établie entre les hommes, puisque j'ai toujours apprécié le dévouement et la compétence des collaborateurs de Neoditel, ce qui pour moi est important, c'est à la fois le côté extrêmement concret et pratique des audits, enquêtes, travaux qui sont menés par Neoditel. Et puis ensuite, je ne peux pas le cacher, le fait qu'à chaque fois je gagne de l'argent. Donc c'est une confiance assise sur les hommes, le réalisme et puis les économies pour moi. Ça fait un an. On a fait un pari, une bouteille de Dom Pérignon, que vous réussiriez à économiser sur ma facture télécom 400 000 euros. 400 000 euros sur 1 million, c'est quand même prenable et c'est sympa. Et si j'avais parié, c'est parce que j'étais sûr que Neoditel m'offrirait ma bouteille. J'ai perdu, donc j'acquitterai ma bouteille avec plaisir et satisfaction.